Bienvenue dans Mona et ses amis, je révise, vendredi. Aujourd'hui, je vous ai demandé de lire ce texte 6 qui aurait dû s'appeler 5. Je sais lire une petite histoire. Donc vous allez bien lire la petite histoire, soit dans votre livre, soit sur l'écran, et ensuite je vous poserai quelques questions. Je vous lis l'histoire. Un après-midi au parc. Dimanche, Lila et ses amis Léo et Justin sont allés jouer dans le parc. Tout à coup, Léo décide de grimper dans un arbre. Crac! La branche casse. Léo tombe dans une flaque de boue. Il a très mal à la jambe. Justin appelle: Maman! Maman! Léo s'est cassé la jambe! Vite! Une ambulance! La maman de Justin arrive près de Léo, l'aide à se lever et le console. Ce n'est pas cassé, mais tu es très sale. Tous les enfants éclatent de rire. Vous poser quelques questions. Quel jour Lila et ses amis sont-ils allés jouer au parc? N'oubliez pas de faire des phrases, hein. Lila et ses amis sont allés jouer au parc le dimanche. Quelle bêtise a fait Léo? Léo a grimpé dans un arbre. Pourquoi Léo est-il tout sale? Léo est tout sale car il est tombé dans une flaque de boue. Qui appelle maman? C'est Justin qui appelle maman. Léo s'est-il cassé la jambe? Non, Léo ne s'est pas cassé la jambe. Il est juste très sale. Comment se termine cette histoire? Tous les enfants éclate de rire, donc l'histoire se finit bien, heureusement. Mis un petit bonus de grammaire, donc vous le regarderez quand vous voudrez. À bientôt! Et voilà, notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir bien écouté toutes les lectures, toutes les leçons. On remercie également les éditions Magnard pour toutes les illustrations et tous leurs textes. À bientôt les CP!